je fais même pas de. Même pas ma pute sur Instagram. Ma pute, non, ma pub sur Instagram. Parce que bah, y'a personne. Donc voilà. À cette heure-ci, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un à cette heure-ci. En tout cas, bonjour. Je vais parler tout doucement parce que bah, voilà, il est 1h39 du matin. Je me suis dit pourquoi pas jouer un petit peu avant d'aller me coucher parce que j'ai pas joué de la journée. J'ai eu une grosse journée. L'audio, on va baisser un peu ça. Voilà. On va mettre à 50%. Salut à toi qui viens rejoindre le live, je savais même pas que t'allais arriver. Voilà. Hop, on va continuer ça. Hop, c'est parti. Le live vient de commencer. J'espère que tu vas me suivre. C'est quand même drôle que tu sois là à cette heure-ci. Y a pas école demain? Moi je travaille demain mais à 19h donc ça va tu vois. J'ai le temps d'aller me coucher alors à 3h du matin. Après je parle pas trop fort hein, parce que comme je disais il y a mes voisins au-dessus. Je vais faire un petit truc avant. Hop là. Réglage de volume. Le micro. On va tester. Normalement c'est bon. Ok. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Voilà. Ah, donc la personne est déjà partie. Parce qu'elle a vu l'écran bleu. C'est pas grave. Alors on était où déjà? Ah oui, ah oui, on était là, ok. Et je crois que ça a bugué parce qu'on était sur l'ascenseur. On était dans l'ascenseur et on pouvait plus bouger. On va s'en mettre dans le bas parce que là. Aller par là. Aide-moi à BD. Il y a un truc là-bas. Je peux passer là ou pas? J'ai pas l'air de vouloir. Il est là-bas. En avant. Il est parti. J'avais jamais vu une telle tempête avant. Pourquoi?
suis dans le tombeau. C'est immense. Et les impériaux? Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova? Je sais pas ce que je suis censé trouver. Il est plutôt... excentrique. À qui le dis-tu? Il ne nous aurait pas conduits jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. Ah oh, putain, d'accord. Là, j'ai cherché beaucoup... je sais pas combien de temps. Est-ce que t'as vu ça? Je vais chercher, j'ai pas combien de temps la dernière fois, et là bah je le fais en 2 secondes. Je suis vraiment débile. Hein. Non mais... Non. Mais tu fais quoi là? La mort de merde toi. Allez. Mais... tiens, moi aussi je suis enchaîné hein. Moi aussi je suis enchaîné les monstres hein. J'ai pas rêvé. Il n'y a pas que le vent qui souffle dans ces carillons. Il y a des voix du passé. La boule là-bas, elle va dégommer ça. Voilà. J'ai réactivé là. Ça va, j'ai ma canérique avant. Je me rappelais plus. Je me rappelais plus de la vie. Et hop là. Voilà. Et comme ça, ça part au milieu. Ah non, mais non, mais mec. Allez là, fais pas ta. Fais pas ta grosse boule. Je crois qu'après... ouais, je crois que c'est un truc du genre qu'il faut faire. J'arrive à être là le machin. Il faut enlever ça. Ouais, voilà. C'est pas si dur que ça. C'est pour ça que j'ai une essence de force. Les effos s'en servaient pour la méditation. Il formait des utilisateurs de la force. Un slim? Y'avait un jeu, je sais plus lequel.
faudrait que je me rappelle. En gros, même si tu butais les gars et reculais, tu vas arriver à te donner un coup de pied. C'est pas le truc avec un easter egg. Genre, il faut utiliser la force, tu vois. C'est un peu bête. Ok. Faut aller là. J'avais jamais vu ça. Gardien de tombeau, ouais. Alors, ça va être un truc, ouais. Qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, je vais pas aller là. Ah mais il y a un mécanisme. Je crois que demain, s'il est pas trop tard, je vais faire du... Assassin's Creed, je l'ai déjà dit la dernière fois, hein, mais je vais vraiment le faire. Je vais vraiment continuer Assassin's Creed Brotherhood. Le jeu déjà, Fallen Order est tellement fluide sur PS4. Je me demande comment Jedi Survivor il est.
sabre laser ne peut pas tout résoudre. Un endroit pour méditer, c'est bien. J'espère qu'ils ont enlevé ça dans Survivor. Let's go. D'accord. Bon. La mort la plus conne, c'est pas grave. Mais elle est débile ou quoi là ? Voilà. Je coupe le micro. Non, bah en fait, non, ça va. Non, bah ça va, ouais. Je suis victimisé, le pauvre. On se concentre. Un Jedi ne cherche pas la violence, mais à se dresser contre elle. La force est là pour nous protéger. Les obstacles sur la voie définissent la voie. Ce qui est sur ton chemin dessine ton chemin. Bien. Allez, réessaie. Bien, continue. Allez, plus vite. Termine le test. Utilise la force pour pousser la balle vers la cible. D'accord, ok. Essaie encore. Non mais... Ce qui est sur ton chemin, dessine ton chemin. J'ai réussi. C'est débile. Admire un peu les détails de cette écorce. Ces stries si distinctives. Ça ne peut être qu'un arbre Vrochir de Kashyyyk. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Si les efforts étaient liés à Kashyyyk, il y a de fortes chances pour que le chef Tarful soit au courant de tout ceci.
Let's go. C'est un sarcophage, ça. Merci du coup de main. Ah, je suis revenu là. Okay. Ah, ok, donc charge améliorée, oui, la distance par cube. Ok, bon, c'est bien. Tant que j'allais faire ça avec ça. Ouais. Et après, il y a quoi? Capitulation de force améliorée. Poussée massive, ouais. Bon, ça, ça sera des trucs. Steam amélioré, ok. Si je fais ça, il y a encore le. Ah, c'est bon. On va aller de l'autre côté. Voir ce qu'il y a. Parce que. Moi je vois pas beaucoup, on n'irait pas là. Ah regardez, hop. Parce qu'il y a plein d'autres trucs là quand même. Ce gardien a été détruit il y a longtemps. Reviens là. T'as trouvé quelque chose, BD1? Nouveau matériau pour savoir, ok. Et tout à l'heure, il y avait un autre truc aussi. Hein? Tourner là-bas. Et puis c'est maintenant que la musique est cassée. Ah mais c'est comment on fait là? Ouf. Ça
ça va pas passer loin. Ça va pas passer loin. J'ai besoin d'un steam. J'ai eu chaud. Ouais. Il n'y a pas une autre bouboule. Ah ok. Parti en plus. Voilà. Ça marche aussi bien. Hey. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Relique est très ancienne. Elle devait faire partie d'un rite initiatique pour les effauts qui utilisaient la force. Bah. Pourquoi on mène là, lui ? Ah, parce qu'il y en a là-bas. Ok. Ah oui, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris, mon capuchon. Après tu le mets là, voilà. Hop. Non, tombe pas. Il n'y a plus de vent, merde. Ok. Là qu'il y a l'easter egg.
dommage, dans cet élan. Oh putain. En fait, il y a un truc genre si tu sautes là et que t'arrives là, t'as un easter egg. On va essayer. Hein. On va essayer. C'est quoi l'endroit? Une sorte de plateforme, non? C'est pas l'ascenseur, ça? Je crois, hein. On va aller voir. Après, c'est des trucs sur internet hein, que j'ai vu, hein, c'est pas... Il faut que... Il faut qu'il aille ouf. Parce qu'elle se balade un peu partout. Il aille là. Mais... Qu'est-ce bordel? Ah, c'est là, oui, bah oui. En fait, il faut que je saute ici, je crois. Non. Là, il faut que je saute. Il faut que je m'accroche à... Je m'accroche à la vie. On va essayer. Ouais, compliqué, hein. Ça va être compliqué. Oh, tu sais quoi, vous savez quoi, j'ai la flemme. oui, alors qu'est-ce que ça fait? Les infos sont venus sur Kashyyyk. Cordova a parlé d'un certain Tarful. Un chef Wookie. Ils étaient de vieux amis. Vous pensez qu'il est vivant? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller sur Kashyyyk. Il y a
l'Empire. Au service à l'Empire ? Bon, on va s'en occuper. Let's go ! Suce à l'ennemi ! Qui est là ? La cible est au-dessus. Putain, hein. Ça commence déjà hein. Avec les bazookas. C'est pas un bazooka, c'est un bazooka. Salut. Mais genre ça marche pas. Non, tu veux du fait du tout. Ouh, ça fait vol dingue là. Donc là, c'est que si je médite, ils vont revenir. C'est pas grave. Bonne compétence. Donc là, hop, je déverrouille. Récupération de force améliorée, ouais, on va faire ça. Ah bah ils sont revenus. Ils me voient pas pour l'instant. Si je fais ça. Non, toujours pas. Bon, mais c'est tranquille, je pense. Donc en gros, comme c'est après la purge, alors c'est après l'ordre 66. Ouais, il a dû rencontrer des Jedi, mais j'aime plus ce que je voulais dire. Oui, comment ils savent que c'est un Jedi en fait, les Stormtroopers? Parce que normalement, ils doivent plus en avoir, à part Ahsoka et Luke. Mais Luke, c'est bien après. Normalement, c'est bien après. Sinon, il l'aurait vu. Il l'aurait vu déjà depuis un petit moment. Je
Elles sont là-bas. Alors, où est-ce que je vais? Ah, donc ça, ok. Donc je descends. On t'en descend. Hein. Ah bah je peux aller directement là en fait. Je l'ai repéré. J'y vais. Chargé. Il faut juste que je me concentre. Il y a un truc à prendre. Bon. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une statue Zepho géante, donc je pensais trouver des objets Zepho. Pouvoir remplacer le tien. On va te réparer, mon pote. Si je fais ça... Tu veux l'essayer? Tu me vois plus là. Ouais, j'essaie qu'il me tire dessus mais sans que je bouge, pour voir s'ils arrivent vraiment à viser ou pas quoi. Il est pas mort. Mais toi, non. Tu veux juste faire faire. Hein. Il faut les verrouiller ça. Et voilà. Merci. Ah bah en fait, c'était là qu'il fallait.
Mais 4 fois sur 2, sur une fois sur 4, ça va, hein. Ça m'a servi à quoi de faire ça? Bien sûr que non. En même temps, t'es dans le... Normalement, hop, je crois que mon ils allaient arriver là. Ouais, c'est quand même. Faut que je reparte par là, moi. De revenir de repartir là où j'étais à la base, ouais, bah. Ah, puis toi. Putain, mais nique ta mère, bordel. Ah, putain, depuis tout à l'heure, j'ai même pas entendu. Faut que je baisse le son, sinon ça va être en écho. Écho, écho.
Nécronomie. Oh, nécrologie. Attendez, je reviens. Allez pour 5-10 minutes.
Voilà, on était où déjà? Moi j'ai mis un peu plus. Bon, j'ai dû mettre 10 minutes, même pas. Là-haut, fermez les yeux. J'attaque les. Soyez vigilants. Il est touché. J'attaque la cible. Ah oui, non, c'est vrai, il y a une porte. Je suis bête, moi. J'ai fait le tour, mais j'ai vu la porte tout à l'heure. Voilà. Allez, BD. Oh, d'accord. Quelque chose d'utile ? Un jardin de son laser obtenu, ok. Il faut que je trouve. Genre ce qui pourrait me faire ouvrir une porte en fait. Avec des loups. Et merde. J'ai pas arrêté de tomber hein. Oh bordel. J'en ai marre. Oh putain. Ah c'est... Oh. Quand tu veux. Hein. Voilà. Encore. Faut que j'en parte par là. Faut que j'aille là-bas. Dégage. Faut que ça gueule, hein. Maintenant que je sais où aller. Deux journées. Waouh, ça doit être un des défauts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, BD. Je vais prendre en screen parce que je le trouve bien. Ça pourrait faire une bonne image.
Ok, donc là, non. Ah bah voilà. On va se barrer. Vous allez l'arrêter, oui. Quelque chose, BD1? Nouveau matériel pour savoir. Intrus, ouais. Vous avez tué tous ces gens. Des monstres. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Nouvelle poignée, ok. Moi c'est quel? Je suis gentil. Tu es mort naturellement. Pars avec elle. Je vais les éloigner. Oh ça, non.
Ah, c'est en haut. Oh putain. Quel con. Non ? C'est pas en haut ? Un marcheur nous tire dessus et nos armes sont HS. C'est lui ? Dis-lui qu'il a intérêt à se bagner. Tenez bon, je suis en chemin. Hey, BD1, je m'assure que ça va. Est-ce que tout va bien, BD1? Alors tant mieux. C'est plus facile que je le pensais. Joli boulot, ça, petit gars. Eh, hey, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Ah. Mais s'il te plaît, dis-moi pourquoi t'as fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre ? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookie, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk ? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookie. C'est de l'acharnement ! Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors ? À propos de la force ? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer.
Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé, et que nos clones s'en sont pris à nous, ma Padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors j'ai essayé de les éloigner de ma Padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien. Hop, bon, ça c'est fait. Oh. C'est magnifique. Il n'y a que ça ? D'accord. On va sauvegarder là. Puis on va arrêter là, je pense. On a déjà fait. On va regarder Kashyyyk pour plus tard. Moi, j'allais me coucher, mes gens. Je vous souhaite une bonne soirée et puis des gros bisous. C'était Cal. Pas le Cal de Star Wars, mais moi, pour vous servir. On va faire une petite modif avant. Alors. Contenu perdu, d'accord. Pourquoi pas. Pour l'instant, ça c'est bien. Interrupteur. Ça c'est bien. Poignée. Non. Ah, pas mal. On a fait ça. D'accord, devoir et volonté. Ouais. Ça fait vraiment sabre laser, on va dire. Allez, salut mes gens. À la prochaine.